bouge ton cube, viens m'aider. Ras le cube de galérer. Ne crois pas que je me torche de tes idées ou que je me fous de la poudre dans le nez. Tout ce que je sais faire, c'est poser les leviers. Mais je sais quand même pas laisser une lampe allumée. Les canons à TNT, c'est encore plus compliqué. Les plaques de pression me servent qu'à décorer. La maison est remplie de câbles. Les pistons me servent pour faire des tables. Je ne mine même plus la rêve. Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part ça va nickel comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de MCO Park, la création de notre parc d'attractions Tikiland. Et ça y est les amis, j'ai enfin changé mon skin. Un peu en retard, ça y est, à 2 jours de Noël, mais c'est pas grave. Au moins ça y est, on est un petit peu plus chaud, ça fait plaisir, on est un petit peu plus dans l'ambiance. Aujourd'hui les amis, donc on se retrouve pour un nouvel épisode de MCO Park. On va un petit peu, on va même pas faire d'attraction. De toute façon il n'y a pas besoin d'en faire en vrai. On va juste un petit peu aménager quelques petites choses. Je vais vous montrer ce que j'ai fait en off. J'ai pas mal amélioré les choses, j'ai suivi vos conseils également, merci à tous. C'est vrai, il y a des trucs auxquels je n'avais pas pensé, donc je vais vous montrer tout ça. Mais avant toute chose, vous allez voir quelque chose de nouveau. Ce sont ces arbres de type bleu et coloré. Et vous allez peut-être vous dire, oula c'est bizarre, ça n'a rien à faire là. Peut-être que vous allez trouver ça stylé, peu importe, dans tous les cas c'est notre choix, on a fait ça avec BX Snow et c'est pas fini, vous allez comprendre pourquoi on fait ça. Ça ressemble un petit peu aux arbres qu'on a fait dans le quartier kawaii, hein, dans le quartier, enfin dans le quartier kawaii, c'est pas spécialement un quartier kawaii, mais le quartier juste ici avec les arbres japonais, c'est un petit peu le même, la même idée, sauf que là c'est en mode univers bleu glacé, puisque du coup on est au niveau du quartier central ici, il y a encore rien de fait, on n'avance pas malheureusement à ce niveau là, parce que en même temps j'ai pas grand chose à faire ici, c'est plus BX Snow qui s'occupe de la décoration. Donc c'est pour ça, mais en tout cas ici on met ces arbres parce qu'ici il y a le palais des glaces qui fait la limite d'ailleurs avec ici le quartier horreur etc, donc c'est nickel. Là il faudra encore mettre des arbres, on va faire ça juste après, mais voilà, ça rend super sympa, ça rend le truc un peu cristal et surtout ça fait une bonne transition avec ici la tour infernale qui est un peu en mode nether. Enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu le, il y a un mélange d'univers qui fait transition, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi je trouve ça super sympa, c'est une bonne idée je trouve qu'on a eu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Tous ceux qui diront que c'est pas réaliste, alors je sais que maintenant ça y est, il n'y a plus personne parmi tous les viewers qu'il y a maintenant, il n'y a plus personne qui... les autres sont partis en fait, donc ça c'est marrant. Mais bref, si jamais vous trouvez ça pas réaliste etc, n'oubliez pas que c'est un parc d'attractions. Réaliste ou pas, dites-vous que c'est du papier mâché, c'est de la maquette, enfin c'est de la moquette, c'est du papier mâché, c'est comme à Europa Park, les fausses pierres, etc. Tout ça c'est faux, les arbres ici, tout ça c'est faux, il n'y a pas de transition à avoir, c'est du papier mâché. Bon, il faut se dire ça, c'est un parc d'attractions, c'est pas, on n'est pas dans un vrai univers tropical ou quoi, c'est du papier mâché, on est dans une ville, je sais pas où on est, bah, bref, c'est un parc d'attractions les gars, donc il faut avoir le roleplay à ce niveau-là. Donc voilà pour ce qui est fait. Là maintenant, regardez-moi restaurant que j'ai beaucoup mieux aménagé maintenant. Donc déjà, premier conseil que j'ai suivi, ça a été de mettre ici des daylight detectors. Et en effet, bah, ça change tout, ça rend le truc moins bizarre, ça permet de faire la lumière à l'intérieur. Ici, j'ai fait les petits ventilateurs. Alors, il y a très peu de chances qu'on survole la map. Après, bon voilà, c'est pour ajouter un peu de réalisme. Mais voilà au niveau du toit comment c'est fait, je trouve ça beaucoup plus sympa. Au niveau de l'intérieur... J'ai changé ici, donc j'ai fait comme en fait à la base, c'est de la gold. Voilà, avant on est d'accord, c'était de la gold, mais pourquoi il n'y a pas pressure plate? Ah voilà, ah ça s'appelle pas gold, avant c'était ça. Et d'ailleurs c'est comme ça dans le restaurant de BX Snow qu'elle a fait dans le Far West. Vous m'aviez conseillé de mettre la jungle pressure plate et ça rend relativement bien. Pour le buffet ça rend relativement bien. Alors à voir dans le quartier Far West, est-ce qu'on fait la même chose ou est-ce qu'on laisse le design de BX Snow? Ça peut être pas mal de laisser le design de BX Snow en or, puisque c'est quartier Far West avec l'or, donc ça peut être pas mal. Maintenant, vous allez voir l'intérieur, pas mal de choses ont changé. Déjà, il y a plus de lumière, il y a la lumière intérieure. Vous m'aviez aussi dit, il manque quand même des tables familiales, parce que c'est vrai, c'est un parc d'attractions, donc le but du jeu, c'est quand même, il y a énormément de monde. Donc là, c'est des petites tables, très clairement, des tables de 2. Mais du coup, j'ai ajouté des grandes tables ici, là, une très très grosse ici. Mais un truc aussi à savoir pour le roleplay, dites-vous que ça c'est des tables qui peuvent se bouger. Donc là c'est des tables de 2, mais à tout moment tu peux les assembler et ça fait une table de 4. Voilà, c'est comme ça qu'on peut voir la chose. Ici j'ai laissé un grand espace pour les serveurs évidemment. La cuisine, je l'ai aménagée, même si on ne peut pas rentrer à l'intérieur. Alors là j'ai rajouté d'ailleurs petite canette de Red Bull, petite canette de Pepsi. Ah, si jamais il y a un petit sponsor qui veut se faire, il n'y a pas de souci, hein, moi je suis présent. Mais voilà, j'ai ajouté voilà, des petites piles d'assiettes derrière, hamburgers, des frites, le petit fourneau là-bas, les frigos, etc. Donc voilà, pour ajouter un petit peu
de trucs sympas à l'intérieur. Je me suis occupé aussi de l'extérieur, les amis. Regardez-moi ça, vous allez très vite comprendre. Je suis assez content, c'est assez sympathique. On a la vue sur le volcan, petit tapis ici. On a donc là plein de tables, des grandes tables, évidemment des grandes tablées quand il fait beau, pour pouvoir manger dehors. Ici, c'est un peu cosy, un peu amoureux, je trouve, avec les petites tables au niveau des feuillages. Bon, on est sur Minecraft, mais je m'imagine bien le truc avec toutes les feuilles autour et tout. Enfin, c'est super sympa. J'ai ouvert un accès ici à la cuisine, ce qui peut être sympa. Si maintenant tu veux te servir à boire directement via l'extérieur, je pense que c'est sympa. Je pense que c'est sympa. On a les lumières au plafond. Ici, j'ai mis un petit bac à sable. Je me suis dit pourquoi pas. En fait, quand j'ai commencé le chemin, je me suis dit là, il y avait un espace. Donc, pourquoi pas l'utiliser pour faire un petit bac à sable pour les enfants, pour qu'ils puissent jouer tout simplement. Et ici, une petite zone relax, une petite zone chill. Alors ça, c'était pas prévu, les petites roues, hop. Une petite zone chill qui n'est pas finie. En gros, peut-être que ce serait une petite aire de jeu, mais qui est uniquement dédiée au restaurant. C'est-à-dire que t'as pas le choix de rentrer à l'intérieur du restaurant et de consommer pour avoir accès à ce petit parc. Donc là, j'ai essayé de faire un petit parasol, je suis pas convaincu. Mais ici, il y a des tapis de sol. Enfin, vraiment, si tu veux te coucher et chiller juste une petite heure, tu vois, parce que c'est vrai que c'est un parc d'attraction, donc t'es pas là pour dormir non plus. Mais comme on fera probablement des hôtels dans le parc, donc tu pourras y rester. Sur du long terme, tu pourrais y rester un peu comme Europa Park. Donc ça peut être une zone chill, pourquoi pas. Donc mettre des balançoires, voilà, un peu comme le parc qui est pas trop loin. Donc le parc dans le parc, Parkception, tu m'as compris. Donc voilà, pour ce que j'ai fait en off en tout cas. Donc je suis assez content parce que j'ai fait tout ça, tout ce que vous voyez, tout ça, c'est moi-même tout seul qui l'ai fait. Donc je suis pas peu fier, c'est plutôt sympa. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. La petite canette de Red Bull évidemment, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, pour le petit restaurant. Je trouve que c'est sympa. Ce qu'on va faire les amis pour cet épisode, c'est un petit épisode chill. Franchement c'est un petit épisode chill, on va pas se casser la tête. Vous savez que là le quartier central, faudra vraiment qu'on l'aménage. J'ai vraiment hâte que BXNO soit de retour à ce niveau là parce que sinon tout le reste c'est complet. C'est ça ce qui est ouf, c'est que le reste du parc est plus ou moins complet. C'est ça ce qui est ouf, c'est que vraiment il reste pas grand chose. Enfin si, mais ce qui reste maintenant c'est du comblage, de la décoration. Niveau attraction, on est pas mal. Franchement, niveau attraction, on est pas mal. Donc, vous savez qu'à chaque bordure de chemin, on fait ça, sable, plus jungle leaves. Là, on va pas en mettre parce que je sais pas comment on va faire ici. Je pense que ce sera plus grand. Mais on va déjà, voilà, ici, continuer ce petit pattern parce qu'on sait que là, ce sera chemin. Alors, à partir de là, je sais pas trop, mais voilà, on va faire déjà jusqu'ici comme ça. On va se faire ça tranquillement, petit épisode. Alors, c'est pas un épisode build, hein, on n'est pas en train de construire. On va aussi faire les arbres supplémentaires, les petits arbres bleus, comme ça vous allez voir un petit peu le processus, même si j'ai déjà fait pour... c'est la même chose que les arbres... les arbres japonais, voilà, je ne savais plus. Alors tac, tac, tac. Donc là il y a un petit mélange de quartz, hein, bien sûr, pour l'entrée du palais des glaces. Regardez comment c'est merveilleux, c'est super mignon. Toujours aussi merveilleux je trouve. Hop, donc on va placer ça là, toujours on garde le même tracé. Mais en fait, faire ça, ça permet de se rendre compte un petit peu des chemins. Et ça permet un petit peu de... Enfin, j'aime trop faire ça, parce qu'après tu dis, ah ouais, donc ça va ressembler à ça, le parc à la fin, et c'est super cool. Alors là par contre, j'ai fait aussi du mélange, là, regardez, j'ai rajouté de la bonne mille aussi, et j'ai rajouté du sable, pour que ce soit sympa. Tu vois, en vrai, ça c'est BXNO qui m'a dit, il faudra peut-être rajouter du sable. Donc j'ai fait ça, j'ai rajouté de la bonne mille, j'avais oublié que la bonne mille, ça permettait quand même de faire... Bah, de combler en fait le vide, hein, tout simplement. Donc ça c'est super sympa. J'en étais où là? J'en étais là, donc hop, 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 hop. Voilà, et là on va plus mettre de feuilles parce que là c'est un petit peu un endroit où tu peux marcher. Là, pareil, alors ça me dérange. Hop, on fait toute la bordure. Ensuite on ajoute, alors ça c'est un problème aussi. C'est qu'il y a des petits trous comme ça par moment forcément avec tous les déplacements qu'on a fait. Quand on a déplacé les attractions, mais c'est pas grave. On se débrouille. Ah ouais, c'est relou. On se débrouille, voilà, c'est bon. C'est la galère. Ok. Voilà. Là, on va enlever les feuilles, je pense. Non, mais là, on peut pas mettre de feuilles. Là, il y a la sortie. Pareil, BXNO, elle a dit qu'elle fera une sortie plus grande. Donc, en fait, là, je me suis un peu enflammé. Je vais enlever ce que j'ai fait là. Et on va rien mettre de ce côté-là. En tout cas, jusqu'ici. Voilà, comme ça, on est sûr. On verra ce qu'elle fera. Tac. Ça c'est pas bon, c'est pas symétrique. Enfin si je fais ça, j'aime pas. Donc on va faire ça, ça, ça. Parfait. Voilà. Non, je préfère être minutieux dès le début parce que le nombre de fois où j'ai fait ça et que BXNO est passé derrière pour rendre le truc mieux parce que c'était pas droit ou je sais pas quoi. Voilà, on va essayer de rentabiliser le truc. Étant donné qu'on n'est pas là souvent malheureusement ces derniers temps.
forcément, donc autant faire ça tout de suite correctement. Alors attendez. Non, c'est bon. Voilà. Bang bang. Je sais que j'ai l'air malin avec mon chapeau de Noël sur la tête. J'avais oublié que j'avais le chapeau de Noël sur la tête. Eh ben, j'espère que vous kiffez. On est vraiment dans l'ambiance. Hop. Nickel. Ah, ça va être super sympa. Parce qu'en vrai, ça change tout. Ça rajoute le truc et tu dis ah ouais, c'est sympa comme ça. Tac. Voilà. Bon, clairement, les amis, j'en parlerai. Franchement, l'année prochaine, début de l'année 2021, janvier, je ferai une FAQ et je ferai une vidéo setup et je vous parlerai un petit peu de. Alors, pas de mon métier, mais de mon avenir sur YouTube. Et en fait, je vous disais dans une précédente vidéo de MCO Park que justement, très bientôt, je vais devoir arrêter les vidéos pendant un moment et que je reviendrai un jour ou l'autre. Mais c'est bon, les gars. Enfin, j'en parlerai, mais je vous dis, c'est très important. Mais cette année 2021, je vais être plus présent que jamais, en fait, sur YouTube. Tout a changé dans ma life. Il se passe des choses. Je peux pas tout vous dire. Je peux même pas vous dire grand chose. Mais voilà, sachez que ça a pas mal changé. Et que du coup, au contraire, je vais être plus concentré sur YouTube cette année. Voilà, ça n'empêche pas que j'ai ma vie derrière. Vous allez comprendre, je vous en parlerai un petit peu dans une FAQ. Mais voilà, sachez que ça va être mon. Je veux que ce soit mon année, sinon c'est la merde. Mais donc, autant vous dire que voilà, il y a encore toute l'année 2021 pour terminer Tikiland. Et après, par contre, on va être un peu ric-rac, donc c'est pour ça. Mais en vrai, on l'aura fini. Donc clairement, l'année 2021, on aura fini le parc, enfin. Mais bon, enfin, hey. En vrai, c'est un projet qui date de 2016, mais vous savez qu'on avait, enfin que j'avais arrêté, et qu'après, on s'est assemblé avec BXNO pour faire un parc. Mais sachez que voilà, ça fait quand même depuis 2020, ça fait depuis cette année, à peine, même début, milieu d'année, je sais plus quand on a repris, mais voilà, on vient à peine de se focus dessus, donc en vrai, on va relativement vite, je trouve. Donc voilà, en plus grâce au confinement, on avait pu avancer quand même pas mal. Là, c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce que je fais là? Tac. Ouais, bah on va faire ça comme ça. En vrai, on va aller jusque là. Donc vous inquiétez pas pour Tikiland. Je pense que 2021, on aura vraiment fini. Aucun problème à ce niveau-là. Yes, c'est cool là comme ça. Tu vois, on n'est pas censé sortir ici. Enfin, on a le droit de le faire. Encore une fois, c'est pareil. On va pas mettre des barrières invisibles ou quoi. Dans un parc d'attractions, il y a des chemins. Mais t'as totalement le droit, sauf si vraiment tu te fais choper, je sais pas, mais... T'as le droit de, si tu veux, de marcher là, hein. Hop, voilà. Pas bien pour le gazon, mais tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas de barrière pour t'empêcher à faire un petit peu de n'importe quoi. Voilà, là ici je touche à rien, mais voilà. Là, tu vois, déjà là c'est sympa, ça permet de se dire, ah ouais, là ça va être cool, ça va être sympa. Maintenant on va s'occuper des petits arbres bleus. On avait placé des troncs un petit peu autour pour se dire où c'est qu'on en placerait. Le but c'est de pas en mettre trop. Clairement, on n'en met pas trop, c'est juste pour ajouter un peu plus l'univers. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Donc comment on fait ça? Bah c'est très simple, on commence par placer un peu au hasard des grandes bûches pour faire les souches, si c'est ça qu'on dit, hein, il me semble. Tac. Ensuite, on monte aléatoirement avec ces trois blocs là, c'est pas mal. Voilà, là, ça peut être pas trop mal. On va ajouter, alors attendez, parce que du coup, c'est vrai qu'on ajoute ces petites lianes qui montent, on ajoute les petites barrières ici. On prend une hache aussi, alors un truc qu'on a fait, des petites variantes. Ici, on a taillé les bûches pour que ça donne des stripped warped stem. Chose que je n'ai pas faite ici visiblement. Donc là voilà, de manière un peu aléatoire, ça permet de faire ça super cool. Ok, donc ça c'est bon. Là c'est pareil, on va un peu randomiser tout ça. On va ajouter des petites barrières random. Voilà. Non, ça j'aime pas, j'aime bien les mettre dans les trous comme ça, tu vois. On va mettre ça là aussi au sol. C'est des détails que personne ne verra, et ça c'est ça ce qui est stylé, j'adore faire ça. C'est faire des détails que pas forcément les gens verront, parce que ben, personne ne va aller là. Mais ça fait que si maintenant tu fais des cinématiques, des trailers, tu peux voir des petits trucs que ben, tu vois pas en temps normal, et je trouve ça trop stylé. Moi ça me fascine un peu les easter eggs. Alors c'est pas un easter egg, hein, les gars, mais ça me fascine un peu tout ce qui est caché, secret comme ça, tu vois. Alors là c'est un peu moins aléatoire ce que je suis en train de faire. Ok. Comme ça. Et comme ça. Ok. Voilà pour les bûches. C'est pareil ici. Ah bah c'est le dernier, on en avait juste mis 3. Ok. On fait ça et après on va s'occuper du feuillage. Et vous allez voir comment on fait. Mais il me semble qu'on avait fait en vidéo, hein, les arbres japonais. Hein. Si je dis plus de bêtises, on avait fait ça en vidéo. Mais je me rappelle plus. Donc si c'est pas le cas, de toute façon vous allez voir un petit peu comment je m'en occupe. Mais c'est tout con.
Tiens, là, on va faire juste deux bûches. Un peu plus haut. Voilà. Enfin, un peu monter plus haut pour avoir de la marge, vous allez comprendre pourquoi. Tac. Voilà. Là, on est pas mal. On rajoute aussi les fences. Tac, on rajoute un peu le taillage. Là, je l'ai pas fait non plus. Hop. C'est bon. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre un outil random et on va faire slash... J'ai oublié. Slash brush. Et après, je fais cylindre. Oh là, ça me paraît bizarre. Stone ? Ça me paraît bizarre. Ouais, c'est bien ce que je me disais. C'est pas ça que je fais. Slash slash. Ah ouais, mais c'est slash slash sphère. Non, mais je suis bête. Slash sphère stone. Et là ? Pourquoi il fait ça ? Pourquoi il fait ça? Attends, je vais changer d'outil, j'ai l'impression que... Ah, attends, je sais. Slash, slash, BR. Et là, je mets sphère. Et là, je mets stone. Ouais, on va y arriver. Et là, maintenant... Voilà. Ah bah, je suis désolé, les gars, j'étais perdu. Et donc là, en fait, je vais rendre ça random. Je vais faire tout simplement comme ça. Alors, attends, ça faisait pas partie du programme. Voilà, on va faire ça de sorte à ce que... Et vous allez voir, ça paraît mastoc et très bizarre. Mais du coup, quand on change et qu'on met ces blocs-là, et bah, c'est nickel. Et comme l'avait dit BXNO, ça rend très bien le fait d'avoir mis de la glace. La glace bleue, ça permet d'alléger et de rendre le truc un peu plus transparent. Ah bah, là c'est nickel. Alors peut-être juste encore de ce côté. Hop. Là, on n'est pas trop mal, ok? On va faire pareil ici. Et donc c'est pour ça, vous avez vu, la sphère, elle descend bien bas. Donc c'est pour ça, je prends de la marge et j'essaie de faire le truc assez haut. Comme ça, finalement, c'est pas non plus trop haut, mais ça touche pas le sol. Parce que sinon, ça toucherait le sol en vrai. Voilà, là c'est pas trop mal. Et là on fait pareil, un petit truc random, on tourne autour. Tout bêtement, voilà, on évite de faire rentrer en collision avec le palais des glaces. Yes! C'est pas mal ça! Là c'est pas mal. Ensuite, bah tout simple, slash slash pose 1, on prend la première position. On prend la position numéro 2. Alors j'ai le chat de désactiver, je viens de capter. Ok. Et par contre, je ne sais plus tous les blocs qu'il y a. Alors, on a de la laine light blue wool, de la glace, de la terracotta, et je crois que c'est tout. On a que ces trois blocs. Donc là, ce qu'on va faire, comme je ne vais pas retenir light blue wool, light blue stained glass et light blue glazed terracotta, ok. Donc là, je fais slash slash replace stone. Je vais remplacer la stone par tout ce que je viens de mettre. Je me rappelle plus du pourcentage. Donc on va déjà essayer comme ça. Donc on a de la light blue wool. On a de la light blue stained glass et de la light blue glazed terracotta. Hop. Et là, on se rend compte que il y a trop visiblement... Je crois qu'on a mis moins de terracotta ou... Non, en fait. C'est la même chose, c'est bon. On n'avait pas mis de pourcentage, il me semble. On a laissé ça de manière aléatoire. Et c'est tout bon. Ok, c'est tout bon. Donc là, évidemment, faut pas regarder ça de trop près. Hein, évidemment. Donc là, tu te mets là. Et ben là, on va faire les deux en même temps. Slash, slash, pose 1. On va se mettre plus bas juste ici. On se fait le petit pose 2. Oubliez pas le pouce bleu. Ouais, bon, bref, c'est bon. Et hop. Et ben voilà, c'est carré. Non mais tu vois, ça rajoute ce petit truc. Et du coup, il y a une petite transition quand t'es là. Bah là, t'as le côté merveilleux ici, mais là, t'es dans le quartier horreur. Waouh, ça par contre. Voilà, ça c'est nickel. Ça c'est tout bon. Ça fait zizir. À voir comment on comblera les espaces. Je sais pas encore. Je sais pas encore comment on comblera les espaces. Est-ce qu'on met tout simplement de la bonne mille et des fleurs. En vrai, je pense que c'est ce qui se fera. Tout simplement. Là, on va continuer du coup. Je vais continuer le chemin de sable pour se donner une idée. Alors ici, je vais rien faire encore. Oh si. Là, on va se faire toute une ligne droite. On verra après comment on fera. Regarde, on va aller jusqu'ici, slash slash set sand. Et on va se mettre des jungle leaves, évidemment. On va pas se tromper. Voilà, on va faire ça. Pour le moment, on verra si on change ou pas cette ligne droite. Ça reste à voir. Alors ça, les amis, on peut pas faire avec World Edit, hein, le posage de feuilles.
On n'a pas le choix de le faire à la main, contrairement au sable, pour la simple et bonne raison que sinon bah, les feuilles vont dépop directement. Bon, on en a déjà payé les frais. Ça marche pas avec World Edit. Donc c'est un peu relou, surtout pour ces lignes droites où tu pourrais utiliser World Edit, mais non, il faut faire ça à la main. Donc voilà, là on va s'occuper d'ici, donc là, à partir de là, jusque là, on met du sable. Là, le petit chemin. Donc là, on a la petite zone, tu vois, pour se poser tranquillement. Alors ça, c'est relou. Avec les trous. Voilà. Donc vous avez, donc j'ai mis deux hauteurs de feuilles, hein, pour tout simplement être tranquille, pas se faire déranger. Alors, tac. Ah ouais, ça va être très très chiant. Les trous comme ça, là. On va pas être copain-copain, les gars. Hein. Ok, on a de la chance. Il n'y en a pas trop. Alors là, il y a des blocs de redstone qui... On sait pas pourquoi. Voilà, là, ça va être cool. Ça va nous permettre de se donner une idée quand même du truc. Je sais que là, c'est pas bon ce que j'ai fait, donc je vais regarder après. Tu vois, à chaque fois, je faisais comme ça, et puis t'avais BXNO qui passait derrière, et à chaque fois, elle devait faire ça, ça, et ça. Voilà, hein, normalement, on est pas mal. On va déjà poser les feuilles. Parce que ça va me stresser, sinon. Partir de là, direct. Hein. Ouais. C'est sympa, c'est mignon. Donc tout le reste du comblage, toute l'herbe là, on mettra... En fait c'est ça, on va mélanger le sable, du sable et de l'herbe, et on ajoute de la bonne mille. Voilà. En vrai je pense que c'est le plus simple à faire. Dans ces petites zones là je parle. Hein. Dans les grandes zones on rajoute des arbres. Des arbres de manière naturelle. Genre pas du papier mâché mais des vrais arbres quoi. Là c'est pas bon non plus ce que je viens de faire. Là faut pas faire d'angle droit, enfin on veut pas faire d'angle droit quoi. Alors là j'ai un problème avec l'eau. J'ai que des problèmes je crois bien. Hop là on arrive dans le quartier. Wow. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais mon dieu? Arrête-toi. C'est la cata. C'est la cata ce que je viens de faire. Voilà. Du coup là ça ne va pas. Il y a plein de choses qui ne vont pas. Notamment cet angle droit. Ah ouais c'est relou mon pote. Hop. Là c'est bon. C'est là que ça ne va pas. Et là, c'est un peu problématique. Ah, mais c'est pas grave. Voilà. Ni vu, ni connu. Alors juste là, ceux qui sont en bateau, ils vont trouver ça bizarre, donc... Voilà. Ça, c'est mignon, les bateaux, ils arrivent là. Coucou. Voilà. Là, c'est bon. Petit angle droit. Et là, on est tout bon, on est carré. Hop. Non là on n'est pas carré du tout. Voilà, je me disais bien qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Bienvenue dans le quartier. Waouh. Tout ça on peut mettre du sable. Donc tu vois voilà, de ce côté là on aura les feuilles. De ce côté là je sais pas si on va en mettre. Peut-être aussi malgré qu'il y ait les chorus flowers je pense en vrai. On verra comment ça rendra mais en vrai c'est passe-partout. Et c'est vraiment le main theme, j'ai envie de dire du parc. D'avoir ces chemins comme ça donc je pense qu'on va rester fidèle à ça. Ah bah quoique dans le quartier horreur. On n'a pas mis les feuilles comme ça hein, dans le quartier horreur. Donc bon, on verra. Mais là ça rend bien en vrai. Puis si on fait que d'un côté c'est triste. Ça marche aussi hein, si on fait que d'un côté. Hein. Ah non mais ça rajouterait quand même un truc sympa. Donc on va quand même faire des deux côtés je pense. Pareil hein, si vous avez des conseils, des idées. Vous hésitez surtout pas en commentaire à me les dire. À nous en faire part bien évidemment. Ah ouais les petits palmiers que j'ai mis là c'était sympa. Ouais je me jette des fleurs ouais. On va faire ça comme ça. Tac tac, voilà. Et là on va faire tout le tour du parc en vrai. Hein. Sans s'en rendre compte, parce que là on va arriver au pont que BXNO a fait. La BXNO du pauvre qui vous a présenté... Ah vous avez kiffé la BXNO du pauvre. Hein. Attends, hop. Tac 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 tac. Ça fait un angle droit, j'aime pas. Hop. Ça permet un petit peu d'ajuster tous les trucs qui me dérangent un peu là. Ouais, j'ai pas le choix de casser sinon on est trop proche. Ouais, on va faire comme ça. Nickel, on arrive au pont les amis, regardez c'est trop stylé. Là, ça... Non là c'est bon, ça pose pas de problème. Ah
Ah, je me... Voilà. J'avais oublié qu'on avait déjà commencé ici, mais voilà. On vient de rejoindre les deux bouts, les amis. Et donc là, tac, tac, tac. Et après, on va faire un petit survol pour voir à quoi ça ressemble. Mais on vous l'aurait compris. Là, il y a un problème. Ça ne me plaît pas, ça, monsieur, dame. Voilà. Ah, ça va être sympa. Franchement, j'adore, j'adore. La gueule du parc. Vous êtes nombreux à le dire, mais on a avancé si vite. En vrai. C'est... Parce qu'à un moment donné, on était quand même en train de stagner. Hein. On est bien d'accord. Hein. Et après, tout s'est accéléré. On a eu des idées. On s'était cassé la tête, rappelez-vous, dans une vidéo, à faire le plan du parc. Au final... Alors, on l'a respecté dans ses grandes lignes. Mais au final, on s'est retrouvé à créer d'autres quartiers, quoi. Enfin, on a fait des choses qu'on n'imaginait pas avant, quoi. Donc, le petit quartier kawaii, c'était pas du tout prévu, en fait. On voulait juste... un petit... Enfin, moi, j'avais l'idée de faire un petit truc de bateau, tu vois. C'était mignon, quoi. Et en fait, voilà ce qui s'est créé. D'ailleurs, en commentaire, il y avait quelqu'un qui a dit de faire des barques de l'amour, un fleuve de l'amour, je sais pas quoi. Mais du coup, c'est déjà fait. C'est tout ça, là. On va pouvoir faire tout le tour du parc en bateau. C'est un petit peu ça, l'idée. Hein. Donc, c'est nickel. Hop. Des angles droits, là, comme ça, qui me plaisent pas. Ça me fait chier. Ici, là. Chaque fois, je dois rajuster. Hop! Tac, 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 tac. Voilà, ça va poser problème. Voilà. Donc là, c'est l'heure des grandes lignes droites où t'as envie d'utiliser World Edit et en fait... Bah en fait, tu l'as dans l'os, hein, tout simplement. Je sais pas, c'est quoi la manière la plus rapide de poser, je pense. C'est ce que je suis en train de faire. Et voilà. Et donc là, si on regarde, c'est super. Je pense des deux côtés, ça va rendre super, super bien. Mais ouais, non, en vrai, c'est trop cool. C'est trop cool, trop cool. Là, qu'est-ce qu'on fera? Je sais pas. Est-ce qu'on laisse ça vide? Peut-être, parce qu'on part du principe que c'est quand même un volcan. Un volcan qui est donc faux en papier mâché, si vous voulez. En tout cas, la lave, elle est fausse. Donc on verra, peut-être pour éviter que les gens aillent là. Parce que ce serait con de faire un hôtel ici. Franchement, ça casserait le... Tu vois, on verrait même plus le volcan. Donc non, on va pas faire de build ici, très clairement. D'ailleurs, où c'est qu'on pourrait faire les hôtels? Est-ce qu'on fera un hôtel? Alors, les hôtels en général, c'est à l'entrée du parc, on est bien d'accord. Bon, à l'entrée du parc, c'est un petit peu compliqué. Alors, oui, si, on peut en faire un là. On peut faire l'hôtel ici, juste à l'entrée du parc à gauche. Bon, je sais pas. Bon, à droite, non, parce qu'il y a le quartier horreur. Enfin, on pourrait aussi le faire là. En fait, on peut le faire où on veut. Hein. Il y a pas de problème à ce niveau-là. Bon, là, ici, il y a un espace. Ici, mais c'est trop loin. Enfin, là, c'est la sortie du parc, quoi. En vrai, là, c'est la fin. Ici, bah, on arrive au niveau de l'eau. D'ailleurs, bientôt, je vais rajouter l'eau, la mer. Donc, ce sera pas là. Et le parc, il a l'air maintenant petit. Avec tous les espaces comblés, j'ai l'impression que le parc, il est petit. C'est cool. C'est cool, c'est cool. On peut faire l'hôtel dans le quartier Far West, hein, finalement. Là, ici, je veux qu'on fasse rien. Ici, je veux qu'on fasse rien parce que c'est un peu embêtant. Et là, il y a le moulin. Franchement, on verra. Il y a du potentiel pour faire... l'hôtel, je pense, à l'entrée du parc ici. Pourquoi pas, à voir. En vrai, pourquoi pas. Autant ne pas se casser la tête. Franchement, vous voyez qu'il reste vraiment plus grand chose à combler. Si ce n'est de la bonne mille. Et si ce n'est faire quelque chose de très bien. Surtout ici, parce que là, il manque quelque chose. Là, c'est... Non, ça ne va pas. Mais sinon, le reste, c'est juste trop trop cool. Rien, c'est cool. Bref, donc voilà. Je pense qu'on est plutôt pas mal. Et les amis, on va s'en arrêter là pour cette vidéo déjà. Ça fait déjà une demi-heure, n'importe quoi. Je n'y crois pas. Bref, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. Si vous ne regardez pas ma vidéo de demain sur Euro Truck, eh bien, je vous souhaite dès maintenant de bonnes fêtes de fin d'année, un bon réveillon de Noël, un joyeux Noël, et la bonne année, on aura l'occasion de se la souhaiter encore plus tard, ne vous inquiétez pas. Allez les amis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, n'oubliez pas le pouce bleu, et à très vite pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo, des bisous à tous, profitez bien de la famille. Ciao tout le monde !